Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4. Édité et développé par Sony, sorti officiel le 7 février 2018. Et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Première chose qu'on peut remarquer, voilà, le remaster de ce magnifique jeu sorti en 2005. Franchement, il est super beau. Je vous expliquerai de quoi il en retourne si, malheur à vous, vous n'avez pas fait ce magnifique jeu qui est pour moi, le meilleur jeu de PlayStation 2 qui soit, tout simplement. Alors, voilà, il est bien par là. De toute façon, je commence ma game, je l'ai fini et refini ce jeu, dont je le connais par cœur. Je possède une épée, je dirige, en fait, le protagoniste s'appelle Wanda. Et là, normalement, je crois qu'il y a un fruit pas loin. Ouais, il est en haut, je le vois. Fruit et lézard, donc l'animal, fruits et lézards seront à récupérer dans le jeu. Les fruits vous feront remonter votre barre, votre barre de vie. Les lézards vous augmenteront votre cercle, le cercle jaune en bas à droite que l'on voit qui est l'endurance. Un cercle jaune, avant c'était un cercle rose, l'interface a aussi changé. Ce sont les deux seules choses à récupérer dans cet immense open world, aucun ennemi et 16 colosses à tuer. Et la réverbération du soleil dans mon épée indique le lieu où sont les colosses à tuer, bien sûr, dans l'ordre. Le jeu est un jeu semi-plateforme open world, avec pas mal de sessions d'escalade. Le jeu a été surtout reconnu à l'époque pour des graphismes monstrueux et une histoire juste fascinante, autant que intrigante, parce que franchement, il n'y a vraiment qu'à la fin, le dernier quart d'heure du jeu, vous êtes bouche bée parce que vous comprenez enfin le pourquoi du comment et tout vous tombe sur le coin de la gueule, c'est juste un truc de fou. Fait donc du coup par le créateur de Ico et récemment donc du coup de The Last Guardian. Donc voilà, on reconnaît un petit peu la patte et ça se rapproche maintenant plus de The Last Guardian que de Shadow of the Colossus connu en 2005 sur PlayStation 2. C'est une exclue Sony. Et non, franchement, c'est un réel plaisir. Là, c'est la touche de nostalgie. Le jeu est clairement le bienvenu, même si beaucoup vont dire « Ah, encore un remaster, encore un vieux jeu ». Ouais, mais bon, ça, il y a certains jeux, on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté. Ce jeu n'a pas eu de suite, et ce jeu est juste fou, quoi. Vraiment. Mon premier ennemi, le tout premier colosse. Bon, lui, là, c'est simple. Ça va aller vite, hein. Je pense que là, le test va même pas durer 5 minutes. Je pense que je vais faire 2 colosses pour ce vidéo-test. Ça fera déjà 2 colosses sur 16, au moins vous connaîtrez la strat. La longueur du jeu, vous allez me dire, alors il y a que 16 colosses, aucun ennemi, le jeu va être court. Il peut être court quand vous connaissez le jeu, certes. Mais, alors, c'est bien lui, hein, vous voyez, c'est bien lui. La réverbération aussi vous montrera son point faible quand vous visez le colosse. Donc du coup voilà, la longueur du jeu va dépendre en fait de votre skill, si vous arrivez à bien monter sur le colosse, etc. Et si vous connaissez aussi la strat, donc du coup le chemin où aller et ce qu'il faut faire pour accéder au point faible du colosse, c'est bénef, c'est du temps gagné. Pour ce colosse, rien de plus simple, il a une plaie au niveau de la cheville. C'est bon, il est tombé. Je pensais pas l'avoir enfoncé assez l'épée. Et donc du coup, après, il nous reste plus qu'à monter et le chemin est un petit peu guidé, quoi. Voilà, il faut céder en s'agrippant au poil du colosse, jusqu'à accéder à son point faible. Le premier étant assez simple, il n'a qu'un seul point faible. Certains colosses, donc du coup, seront encore plus grands, auront d'autres strates pour accéder à leur point faible, n'en auront pas qu'un seul pour diminuer leur barre de vie. Une fois qu'on tape un certain nombre de fois dans un point faible, on ne peut plus y retaper dessus, il faut en trouver un nouveau. Et pour ça, il faut faire d'autres choses pour y accéder. Mais là, ce premier colosse est assez simple. Attention à bien se tenir. Vous voyez que le cercle diminue en bas à droite. C'est une fois que je n'ai plus de rond jaune, je n'ai plus d'endurance. Et voilà, moins 1, allez, plus que 15. Wouhou, ça va super vite. Non mais voilà, non, il faut vraiment que j'en fasse 2 parce que là, franchement, vous avez le temps réellement de rien voir. Vous allez dire, putain, mais c'est quoi, ça limite relève du speedrun, quoi. Enfin voilà. Du coup, laissez-moi vous expliquer un petit peu le lore de l'histoire. Wanda arrive avec une jeune femme, on ne connaît pas son identité, elle est censée être morte, en fait. Cette espèce de trait noir là qui me traverse, en fait, c'est l'âme du colosse qui rentre en moi, c'est dégueulasse, et on la retrouve en fait à l'hôtel.
c'est une ombre qui va vous regarder. Il y aura 16 ombres au total à chaque fois qu'ils vont vous regarder. En fait, c'est un retour au checkpoint, en fait. Dites-vous ça pour mieux comprendre l'aspect du jeu. Vous comprendrez de quoi il en retourne si vous faites le jeu et si vous arrivez jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, l'histoire vous est pleinement dévoilée à la fin, au 16e colosse, quoi, en fait, directement. Donc du coup, pour sauver, pour récupérer l'âme de sa bien-aimée, qui l'amène sur un autel, la personne qui était devant moi juste avant que je commence, bah, on la voit allongée vraiment tout au fond, là, il y a à peine ses pieds qui dépassent. Pour la sauver, il faut tuer 16 colosses, c'est la demande d'une entité supérieure, capable de ramener cette personne à la vie, mais au prix de 16 gardiens. Je vais vous montrer aussi autre chose. Je vais m'enlever un peu de vie. Oh, je pense qu'en fait, j'aurais pas eu besoin. J'aurais pas eu besoin de m'enlever de la vie. Mais au moins, c'est pour vous montrer ce que l'entité supérieure nous dit. À chaque fois que vous rencontrez cet hôtel, vous pouvez prier et cela vous redonne toute votre endurance et votre vie. Vous voyez que mon cercle d'endurance, maintenant, a un petit trait. Et en fait, ce trait va continuer à progresser et va parcourir, en fait, va être parallèle à ma barre de vie. Ouais, voilà, il est bien derrière l'hôtel principal, le deuxième. Il est dans la vallée ensablée. Où est-ce qu'il est, ce putain de canasson? Allez, Argo! Ce cheval, quand j'étais plus petit, je l'appelais Aglo, parce que je pensais que Wanda disait Aglo et pas Argo. Du coup, m'en voulez pas si je l'appelle des fois Aglo, c'est un tic de gamin qui reste. Le jeu étant sorti en 2005, c'était l'année de mes 12 ans, j'allais sur mes 13 ans en 2005. Voilà, et j'ai 25 ans aujourd'hui, je suis toujours aussi fan de ce putain de jeu, quoi. Franchement, il est... C'est une histoire, quoi. C'est une histoire à vivre, quoi. C'est un jeu qu'on va faire plus pour le scénar, plus pour que pour le gameplay ou autre, parce qu'après, il reste assez basique. En parlant du gameplay, d'ailleurs, eh bien... Franchement, il a été revu. Oh là, c'est magnifique. En fait, j'en perds mes mots parce que... Sur Play 2, déjà qu'on était... C'était fou déjà de voir un panorama pareil. La prise de caméra était la même sur PS2. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, putain! Ah non, c'est magnifique. Donc voilà, après que j'en revienne à ce que je disais juste au début quand j'étais à l'hôtel, la petite barre qui sortait de mon cercle d'endurance va progresser tout le long de façon parallèle à ma barre de vie. Et ce sera notre indicateur pour montrer que le cercle, en fait, grossit. Cette première barre va d'abord diminuer avant d'atteindre le cercle pour que le cercle, lui, rétrécisse. Donc voilà, c'était un indicateur. Voilà. L'interface a quand même changé. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus un cercle de la même couleur. La barre de vie, je crois que c'est la même. Je pense qu'elle n'était pas située au même endroit. La sélection d'armes n'était pas la même non plus. Nous n'avons que l'épée et l'arc durant tout le jeu. Et Argo pour nous... Argo, pardon. Argo pour nous... Pour nous faciliter la tâche de traveler de map. Purée, c'est vraiment... Non, franchement... Oh là là là, qu'est-ce qu'il est beau. Après, voilà, le point négatif que beaucoup lui donnaient à l'époque, c'était que le jeu était vide, que cela manquait d'ennemis. Mais quand on voit Ico ou The Last Guardian, c'est pas... Enfin, on était plus subjugué par le cadre qui nous entourait. Plutôt que voilà, par l'histoire du gameplay, quoi. Ce qui me fait donc du coup revenir à ce que je disais sur le gameplay avant que le deuxième colosse n'arrive là. Le gameplay a été revu un petit peu. On se rapproche presque d'un remake plutôt que d'un remaster. Le gameplay, en fait, il est moins, comment dire, moins maladroit. Vous savez, Wanda, en fait, se déplaçait un peu comme le petit de The Last Guardian, à se casser la gueule absolument partout. Il avait un petit peu de mal à s'agripper, et là ça a été un petit peu revu, et tant mieux, c'est moins frustrant d'affronter un colosse, et ça tant mieux, parce que putain, qu'est-ce que des manettes elles ont volé à l'époque, parce que tu n'arrivais pas à placer une flèche comme j'essaie de faire. Le point faible de ce deuxième colosse se trouve sous ses pieds, vous voyez, voilà, c'est une espèce de petite lumière verte. Avance, bordel, j'ai dû décocher ma flèche parce que Argo n'avançait plus, quoi. Donc là, messieurs, dames, nous sommes au moment qui va durer le plus longtemps dans mon test, dans ce test gameplay découverte. Prenons un petit peu de recul.
c'est de trouver l'angle pour pouvoir décocher une flèche sous les pattes de ce colosse, appelé le taureau. Le deuxième colosse, c'est le taureau. Après, ce sont pas tous des animaux. Le troisième, il se fait appeler le chevalier géant. Le chevalier endormi, pardon. Enfin, voilà, ils ont tous... ils sont caricaturés. Mais voilà, c'est pas que des animaux, c'est des humanoïdes un peu bizarres. Des protecteurs. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus, je ne vais surtout pas vous spoiler le lore de ce jeu qui est juste génial. Après, voilà, il me suffirait de quelques secondes pour pouvoir vous dire... Oh, bordel ! De quelques secondes pour pouvoir tout vous expliquer. On n'est pas là pour ça. On est là pour enchaîner du colosse. C'est vrai que des tutos après sont dispo sur YouTube pour voir comment arriver au colosse. Donc du coup, le jeu peut se faire très très facilement. Il y a même un trophée dans le jeu qui vous est proposé. J'y arrive pas, hein. Ce qui vous est proposé, c'est de le finir en mode difficile en moins de 6 heures. Donc c'est pour dire que quand vous connaissez tout, le jeu peut se finir très rapidement. Mais votre première run, croyez-moi que vous devriez mettre ouais, une bonne quinzaine d'heures, je pense. Ouais, une moyenne de 15 enders pour pouvoir faire le jeu. Si vous ne regardez pas les tutos, que vous essayez d'apprendre par vous-même où se trouvent les points faibles, par où accéder. Bon, je vais je vais descendre. Normalement, ça se fait pas. Hein. Normalement, il faut rester sur Argo pour un maximum de secure. Et là, c'est pas grave. Je vais me placer. Oui, oui, non, mais je sais que son point faible émet de la lumière. Merci, ma gueule. Par contre, les musiques sont juste géniales. Ça, par contre, c'était un espèce de point. Ah, voilà! Accédons au colosse, c'est parti! Enfin! Donc voilà. Le jeu, après, il avait une sauvegarde manuelle sur PlayStation 2. Il possède une sauvegarde automatique maintenant, plus besoin de sauvegarder, même si le jeu vous le propose dans le menu. Et le jeu fera environ, vous occupera environ 13,5 Go de votre PlayStation 4. Voilà, je vous le rappelle qu'il s'agit d'une exclue PS4. C'était exclue Sony à l'époque, il n'était sorti que sur PS2. Logique qu'il soit que sur PS4, peut-être pour l'instant, qui sait, peut-être un opus sur One. Mais ça m'étonnerait. Le point faible est sur sa tête, et comme je vous ai dit, plus on avance dans les colosses, plus il est difficile de les tuer. Donc ce n'est pas le seul point faible qu'il a, ce deuxième. Donc on va le mettre à Half-Life avec ce premier point faible, et je vais vous montrer où est le deuxième. Et après je pense qu'on s'arrêtera là, parce qu'après il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur ce jeu, même s'il est juste... Ouais, s'il est juste fou, quoi. En plus, comme c'est une réadaptation, le jeu coûte moins de 40€. Dans certains magasins ou supermarchés, vous pouvez même avoir les meilleurs prix qui avoisinent les 30€. Donc c'est fort sympathique. Ce serait dommage de se priver, alors qu'on sait que d'habitude un jeu vidéo coûte 70 balles. Ce serait dommage de se priver d'un tel bijou qui a créé, qui a fait l'histoire un peu de Sony, de la Play. Et pour cette entre guillemets maudite somme, je dis bien entre guillemets. Faut pas s'en priver. Allez, c'est fini! Et voilà, deuxième colosse abattu. Et je pense du coup qu'à ce moment-là, ouais, on va s'arrêter là, les gens. Parce que là, deux colosses sur 16, voilà. Si on continue comme ça, bon, mais bientôt, voilà. Encore deux colosses et j'en ai fait le quart, donc je vais pas faire le quart du jeu en un seul test quand même. Du coup, on va s'arrêter là. Sur ce, j'espère que ce gameplay test découverte de Shadow of the Colossus Remastered HD sur PS4 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !